Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le message ou la guidance, n'est-ce pas, de ce mardi 23 janvier 2024. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Avant de commencer, merci. Merci mes anges de me rappeler votre présence. Merci mes anges de me révéler ce que j'ai besoin de savoir. Aujourd'hui, j'ai pigé au service de la vie. Petite question. Pour certains d'entre vous, par quel projet aimeriez-vous contribuer à la vie sur Terre? Ah, réfléchissez. Dans quelle mesure êtes-vous aujourd'hui au service de la vie, personnellement ou autour de vous? Est-ce que vous prenez soin de votre corps? Est-ce que vous l'écoutez régulièrement? Comment prenez-vous soin des autres ou de la planète? Alors, dans la vision, n'est-ce pas, de mon monde idéal, chaque être humain est au service de la vie. Gardien de la vie en soi, eh bien, il honore la vie en chaque être vivant, en écoutant, eh bien, son intuition. Ouvrez vos sens et faites confiance à vos perceptions. Il est important aussi que vous écoutiez votre corps parce que lui, il saura vous guider dans vos prochaines décisions. Écoutez sa petite voix intérieure. Alors, de nouveau, petite question, comment pourriez-vous célébrer encore plus la vie ici, présentement? Eh bien, je vous invite à noter les actions ou les activités que vous aimeriez entreprendre pour honorer, eh bien, la vie. Par exemple, vous pourriez ne plus boire d'alcool pendant une semaine ou un mois, ne plus fumer, ne plus prendre tant de médicaments, et vous répétez « je fais du mieux que je peux ». Quand vous avez une pensée négative sur vous-même ou simplement savourer une marche dans la nature. Osez planifier des activités pour célébrer la vie. Notez dès maintenant une action que vous allez vous engager à réaliser cette semaine pour honorer la vie. Alors, il est évident que Si vous êtes peut-être addict à l'alcool, à la cigarette, aux médicaments, au sexe, etc., etc., eh bien, ça fait un pas à la fois, une journée à la fois, et prenez la décision aujourd'hui. Je m'abstiens de prendre un verre, de fumer, etc. Honorer la vie. Ce n'est pas facile. Vous êtes peut-être aussi addict à l'amour, l'émotionnel, prendre un peu de recul par rapport à ce que vous vivez.
aujourd'hui décidé de ne plus être une éponge et de ne plus prendre sur vous, sur vos épaules, tout ce qui se passe autour de vous? C'est ça, prendre du recul. Et ce n'est pas parce que vous allez prendre du recul que vous n'aimez pas, que vous êtes dur, que vous êtes égoïste, non. C'est juste vous préserver. Et ça, c'est important. Aujourd'hui, vous allez vous dire comme mantra, j'honore la vie, j'honore la vie, j'honore la vie. Vous savez que toutes ces pensées positives, c'est très bon. La loi de l'attraction. Eh bien, je termine avec le secret au quotidien. Et aujourd'hui, pour ce mardi 23, il existe un partenariat entre vous et la loi d'attraction. Et c'est grâce à lui que vous créez votre vie. Chaque personne entretient un partenariat unique avec la loi de l'attraction. Vous utilisez la loi à des fins personnelles. Les autres font de même. Vous ne pouvez pas utiliser la loi de l'attraction pour influer sur la vie des autres, contre leur gré, n'est-ce pas? Et lorsqu'on y songe, il est heureux que la loi fonctionne ainsi. Sinon, n'est-ce pas? N'importe qui pourrait créer dans votre vie quelque chose dont vous ne voulez pas. Alors, c'est avec vos pensées et vos sentiments que vous créez votre vie. Et personne d'autre que vous ne peut concevoir vos pensées et ressentir vos sentiments. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour un nouveau message. Et d'ici là, portez-vous bien et moi je vous embrasse. À demain.